le nom Moulega, le nom Force Canapé Vert Réveillé, le nom CNOA. Nous remercions tous les journalistes qui répondent présents dans la conférence pour la presse ce matin. Nous pas une conférence pour la presse là, tout d'abord pour nous dénoncer le décret Babouquette 21 mai. Nous pas une conférence pour la presse là tout pour nous continuer à dénoncer la répression politique. Pouvoir faire sous militants, sous une bonne organisation dans le pays, pour empêcher de continuer à mobiliser. Et n'a pas une conférence à tout dans l'objectif pour continuer à demander libération de tous les prisonniers politiques. Sous le premier point qui concernait le décret Babouquette, nous connaissons le 21 mai, et depuis 20 mai, pour voir s'il y a un deuxième décret qui sortit dans le journal Le Moniteur, 21 mai qui s'est passé là. Dans le décret, ça, il y a montré très clairement volonté pour mettre Babouquette dans la bouche de la population. Son décret qui interdit la possibilité pour 5 personnes réunies dans le même espace. Alors que pour voir qu'on est très clairement dans le palais national, dans le ministère, dans la machine, dans la rue, dans le bus, dans le bas-pop policier. Il y a plus que 500 personnes qui sont présentes dans tout l'espace. Il y a des gens qui sont rassemblés en deux factories. Par exemple, nous connaissons deux factories déjà, des gens qui commencent à infecter par le coronavirus. Et malgré ça, les factories n'ont pas campé. Ils continuent à travailler avec des gens pile sous pile là-dedans. Dans les banques, ils continuent à travailler pile sous pile. Ils continuent à prendre ligne. Les gens continuent à prendre ligne. Dans ONI pour faire 4, parce que justement, c'est causé élection pour pouvoir régler pendant la servie avec une crise sanitaire qui est là. Donc, nous clair dans le niveau combat là, le niveau Moléga, le niveau Force Canapé VRV, le niveau CNOA, décret ça, son décret pour mettre Babouquette dans la bouche population hein, pour empêcher réunion faite, puisque eux même mieux dit. Il y a interdit réunion, ni réunion fermée, ni réunion ouverte. Ça veut dire que depuis 5 personnes réunies dans l'espace, ils sont capables de battre tête au doigt pour venir et arrêter. Mais là, décret ça tout. Si le pouvoir a appliqué décret ça, et normalement, il faut arrêter plus fort famille qui dans le pays. Parce que plus fort famille dans le pays qui dans le pays, il y a plus que 5 personnes en dedans. Il y a des cas qui gagnent 5, 10, jusqu'à 15 personnes. Là-dedans, par contre, comment pouvoir après ça après le faire? Est-ce que la famille mette tout le reste de monde qui en plus dehors? Est-ce que vous avez plus que 5 personnes pour voir mettre le reste de monde dehors? Ça l'a fait avec. Est-ce que c'est arrêté? Marche arrêté toute famille là parce que vous avez plus que 5 personnes là. C'est pour ça que nous comprenons que le décret ça, c'est pour un décret pour résoudre le problème corona. Son décret pour profiter de mettre Babouquette dans la population. Son décret pour empêcher la mobilisation faite dans le pays. Pour nous-mêmes, décret ça a deux logiques fondamentales qui traversent. Son décret répressif et son décret pour l'État rentrer corps. Nous, chaque décision annoncée dans le décret, il y a colon amende. Des amendes qui varient entre 3000 gouttes. Jusqu'à 25 000 gouttes pour nous payer, eh bien, on montre très clairement son décret pour faire quoi? Pour faire l'argent, son décret pour faire répression et sous-population. Hein. C'est pour ça nous-mêmes dans le combat là, nous-mêmes dans Moléga, nous-mêmes dans Force Canapé VRV, nous-mêmes dans CNOA, nous demandons pouvoir pour le voir décret ça, presser dans la poubelle Fatra. Même si on peut voir ça dans la poubelle Fatra, décret ça. Pressé pour qu'il y ait une nouvelle fatra. C'est un bon monde qui a dit que le mandat Jovenel a fini 7 février 2021. Nous-mêmes, nous sommes clairs que Jovenel n'a pas de mandat encore. La population a révoqué Jovenel déjà. Jovenel a un impérialiste américain qui est sous pouvoir. Jovenel a un bourgeois qui a financé la campagne qui est sous pouvoir toujours. Il continue pour quel côté lié. Donc, mobilisation a continué, bataille a continué sous diverses formes. Pendant la précaution contre
épidémie coronavirus. Et bien, tout, on a pris précaution contre PHTK, contre pandémie PHTK, contre pandémie pouvoir ça qui est dans tête l'État, pour nous débarrasser de pandémie ça, pour nous débarrasser et de pandémie coronavirus là, mais tout pour nous débarrasser de pandémie PHTK. Et ceci, nous pas qu'attendre cette février. Donc, pendant coronavirus là, pendant la prenons précaution pour ne pas prendre la pandémie, et bien, on a continué la mobilisation sous toute forme possible. C'est pour ça que nous continuons à concerter avec divers secteurs pour nous garder qui vivent en forme pour nous continuer la mobilisation parce que Jovenel Moïse doit aller, doit quitter le pouvoir avant 7 février 2021. Deuxième point nous avons annoncé, c'est sous question de répression politique qu'a fait. Nous avons constaté qu'il y a un pouvoir qui exerce une répression enragée contre tout le monde qui était impliqué dans la mobilisation 18 mai. Nous avons lancé la mobilisation 18 mai, mais la population a répondu à la mobilisation. En pile, le monde a commencé à rassembler sur le champ de Mars, en pile, le monde a commencé à rassembler et Carrefour Aéroport, en pile, le monde a attendu sur toute route là. Et pour voir, tu mettais tout griffe dehors pour te faire répression sur les manifestants, voyer gaz, tirer, etc. Tu as arrêté 8 dans la caméra radio, parmi eux, moi-même qui parle avec nous là, tu as été obligé de libérer vers 6h dans la soirée. Eh bien, ce n'est pas seulement le jour 18 mai, non, répression a fait. Répression continue à faire, et répression était déjà faite depuis avant ça. Nous songeons répression qui fait et pouvoir te voir bandit à l'attaquer la caille les leaders politiques famille Lavalas qui se passe à Rob. Nous songeons ministre injustice là, ministre te débarqué dans la tête un commando armé pour faire répression la caille devant la caille sénateur Nenel Kassi. Nous songeons assassinat qui fait sous camarade Mackenzie Charles, assassinat qui fait sous camarade Diana Joseph. Eh bien, pouvoir passer à l'offensive pour empêcher la mobilisation de continuer, pour empêcher les gens dans le quartier populaire de sortir. Mais pendant qu'il y a des gens qui ne font pas manifestation, pendant qu'il y a des gens qui ne font pas sortir pour ne pas prendre la coronavirus, c'est l'autorité encore qui a organisé une série d'activités qui sourit dans le quartier populaire. Il y a une activité qui est le kawash, où plusieurs centaines de gens ont baigné chaque soir. En bas de l'eau, dans le quartier populaire, au son de la musique, dans le quartier populaire, et les gens, en pile, ont commencé à gagner l'épidémie et la pandémie coronavirus. Dans le moment où on a parlé là, la pandémie a envahi le quartier populaire. Front National envahi, en pile, le quartier populaire, commencé à couvrir en bas la pandémie. Et ces mêmes autorités dans le quartier populaire ont organisé des activités qui sourient. Cap financer activité sur souris côté monde a baigné en bas de l'eau baigné au son de la musique avec Didier que financer et pouvoir même cap on a dit encourager propagation épidémie coronavirus dans le pays. On l'autre bord tout pouvoir continuer à alimenter bataille entre gang groupe armé dans quartier populaire. Nous un massacre cap fait dans quartier populaire. C'est pour ça nous-mêmes, dans la combite là, dans le Molégaf, dans la force canapé vers réveillé, dans le CNOA, nous dénonçons à toute force nous le massacre qui continue à faire dans le quartier populaire. Le massacre qui a fait la Saline, le massacre qui a fait Carrefour Aviation, le massacre qui continue à faire dans divers quartiers, côté gang armé à Boumandro, gang de pouvoir financer, gang de pouvoir mettre des âmes dans les mains. Qui continue à terroriser la population. Nous-mêmes, nous dénoncer les actes. Et dernier bagage, pour nous finir, c'est les prisonniers politiques. Nous-mêmes, dans le combat, dans le Molégaf, dans la force canapé VRV, dans le CNOA, nous demandons libération de tous les prisonniers politiques, y compris les camarades qui continuent à briger dans le cadre de Delma 33 depuis la mobilisation 18 mai. Et là, dans le tout, il y a un prisonnier politique qui a songé qu'il y a un bon lot qui a été arrêté depuis l'année passée, qui jusqu'à présent a brûlé en prison, parmi eux, Joannel, Kili, Anel Belize,
Et maintenant, nous demandons la libération de tous les prisonniers politiques en général. Donc, nous connaissons très clairement gagné épidémie coronavirus qui a fait des dégâts dans la prison. En pile prison dans le pays, en pile commissariat dans le pays. D'ailleurs, il y a un bruit qui fait quoi qu'il y a un pile gros paletot dans la police là, qui actuellement a souffert en bas coronavirus. Là. Et maintenant, en prison, tout le coronavirus là, a été bandé. Le coronavirus a été bandé dans le quartier populaire. Nous demandons pour la justice, pour l'État haïtien, mettez tous les prisonniers politiques dehors. Et pas seulement les prisonniers politiques. Tout le monde qui est en prison pour déliminer. Les gens qui sont en prison pour plat manger. Les gens qui sont en prison parce qu'ils sont gourmets. Les gens qui sont en prison pour l'eau patate. Les gens qui sont en prison parce qu'ils sont grand goût, etc. Les gens qui sont en prison mettez dehors. Pas quitter le coronavirus tout le monde. Mais mettez un accent particulier sur les prisonniers politiques. Parce que c'est un crime qu'ils font. Seul ça a fait que le pouvoir considère comme crime, c'est le fait qu'il y a bataille pour demander pour la justice mettre code dans le cou tout voleur qui est impliqué dans piller l'argent Petro-Caribéen. Pour la justice mettre code dans le cou tout voleur qui est impliqué dans l'argent de Maloc là. Pour la justice mettre code dans le cou tout voleur qui est impliqué dans piller l'argent coronavirus là. Donc c'est moun sa yo qui pour aller en prison, c'est eux pour la justice arrêter et mettre en place prisonniers politiques. Donc, nous attendons que la justice, au lieu de pouvoir mettre babouquet dans la bouche de monde qui a manifesté, au lieu de mettre des décrets pour empêcher les gens de mobiliser, pour empêcher les réunions faites, c'est pour prendre disposition pour mettre tout le voleur en bas code. Et il y a un premier monde qui doit aller en bas code parce que il implique dans piller l'argent paysan, il implique dans piller l'argent d'État, c'est Jovenel Moïse lui-même. Donc si la justice a fait travail, si l'autorité a fait travail, et bien tout le monde ça, Jovenel Moïse, Lamotte, Lalo, à toute mafia pareil, qui est impliqué dans piller l'argent de Petro-Caribéen, qui est impliqué dans piller l'argent de Maloc, qui est impliqué dans piller l'argent de Kona, c'est le monde ça qui peut aller en prison à remplacer les prisonniers politiques. Merci beaucoup. Non, pas M. Guinuma, c'est membre de coordination et combat organisation politique syndicale populaire. Qui parlait l'un de toute organisation nous autres cités là.